Alors l'idée était, est-ce qu'on peut construire une sorte d'environnement où on prend responsabilité de l'autre. Donc justement ici avec l'AidSwap, on est donc dans la tête de l'autre. Donc il faut aider l'autre pour être aidé soi-même. Donc, comme ça, il y a une sorte d'interaction qui est immédiate. Ici, on a deux images omnidirectionnelles, ça s'appelle. Donc, ça veut dire qu'on peut vraiment regarder dans l'image et on peut regarder donc dans l'image de l'autre. Comme ça, on garde son propre autonomie. We are going to stand up slowly and synchronically, and we're going to turn immediately to the right, a quarter of a turn to the right. Le problème pour le moment, c'est que il faut des ordinateurs qui sont assez vite, qui sont portables, qui sont wireless. Et aussi, ça devient intéressant quand on peut faire un échange à longue distance. Donc l'Internet n'est pas encore assez stable et c'est pour ça que nous avons eu la possibilité de travailler avec une société DataSat donc qui travaille par satellite. Et donc de cette manière-là, on a pu avoir un passage envers Barcelone. C'est quelque chose qu'on a voulu essayer. C'est l'expériment un peu ici. Tu fais un pas sur le côté à droite. Encore un peu plus à ta droite. Et moi je vois ta main droite aussi. Si tu pouvais mettre tes mains un peu plus à droite. Et le prochain stade sera qu'on puisse mélanger ça avec notre autre système et qu'on peut entrer comme avec ceci dans un narratif. Donc littéralement ça veut dire en tant que spectateur, que immersant, on appelle ce genre de spectateur des immersants parce qu'ils sont immergés. Donc à ce moment on se réveille dans le corps de quelqu'un d'autre, il faut guider ce corps et en même temps il faut suivre le corps. Donc c'est un peu comme danser mais alors on est pris comme ça dans une histoire. Et bon, ça sera total, donc on est vraiment dans quelqu'un, on peut le toucher. Mais l'acteur est donc à ce moment à Barcelone. C'est très perturbant, on ne sait plus si c'est de la fiction, est-ce que c'est de la réalité. Mais ce qui m'a amusé aussi, c'est quand on m'a demandé quelle est la couleur de ton fruit, j'avais gardé quand même, grâce à la perception du toucher, le fait que la forme était une orange. Et donc c'est grâce à ça, grâce au souvenir, que j'ai pu dire que c'était orange. Et l'autre personne s'est fiée à ce qu'elle voyait dans l'image. Et dans tout le déplacement, je me rends compte maintenant du chemin, du parcours que j'ai fait. C'est énorme. J'ai eu l'impression, honnêtement, d'avoir peut-être fait 2-3 mètres. C'est tout.